Bien content. Oh, il a mal été changé. Les photos, bien sûr. C'est la vidéo. On avait parlé tout à l'heure sur la télévision. Ouais. Tu veux refaire un trait noir? Ouais, il faudra qu'on fasse un trait noir. Mais là, je vais attaquer la maman. Mais au feutre ou au crayon? Ouais, mais elle est pas dedans. Ah, bien sûr. Non, pardon. On n'est pas équipé. Et vous avez aimé faire ça, Roger? Ouais, moi j'aime bien. Faire un peu du coloriage. Ça. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire pour le compléter? On pourrait faire un châssis puis des roues. Aussi, pourquoi pas? Tout est à la mobilité. Oui, oui, mais c'est un peu complet. Ça représente quoi pour vous, Roger? Ça? Oui, qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh bien, c'est l'étoile du cirque. Et puis le cirque, c'est un beau souvenir pour vous? Ah ben oui, j'ai jamais loupé les cirques. Alors, je vais dire que je suis très heureuse ici et que je suis arrivée... Ça fait quoi, 2 ans? Peu plus de 2 ans. C'est un endroit merveilleux. Les gens sont adorables. Et c'est une petite structure. Et ça, c'est très agréable. Et on est à la campagne. Et tout le monde est gentil. Puis on mange bien. Ah oui! Comment vous avez réagi quand on vous a proposé ce projet artistique? Oh, j'étais tout à fait d'accord. Ouais. Oh oui. Je participe à beaucoup de choses. Hein. Oui. Quand oui, c'est la cuisine, c'est la cuisine. Non, non, alors. Tu avais déjà une idée bien arrêtée ou bien une fois qu'on a dit le projet, on va s'y mettre et puis on fait travailler un petit peu la matière grise? Non, moi j'avais l'idée justement de mettre en valeur le printemps, la beauté et tout. J'aurais pu faire l'automne, par exemple, aussi. Hein? C'est aussi des belles couleurs. C'est ça. Pour moi. C'est beau, l'automne. Et tu vois que t'arrives à la fin de la belle saison. Ouais. Le printemps, tout devient vert tendre. C'est magnifique.